Guys, en attendant qu'on me ramène les clés et que les garçons rentrent à la maison, je voulais vous partager. Vous savez, je vous avais parlé de l'apprentissage pour créer votre business la dernière fois. Vous avez été très 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 nombreux et très nombreuses à être très intéressés par du coup ce que Nardis du coup propose. C'est une fille qui va venir en fait vous aider à créer votre business, qui va vous aider à faire un bilan, à ouvrir votre commerce, à votre site, à vous donner des contacts, par exemple pour les fournisseurs. Imaginons que vous voulez faire une marque d'habits ou quoi, et ben elle va vous donner des contacts pour les fournisseurs où vous achetez ou chercher vos habits pour créer votre carte de visite. Vraiment, elle est là pour vous suivre de A à Z et vous conseiller de A à Z. Elle a tous les filons, elle a tous les contacts, elle a vraiment tout, 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 tout. Et du coup, il y a une offre en ce moment, c'est que du coup, l'apprentissage il est à 99 euros au lieu de 199. Du coup, je vous mets le site et du coup, ma petite offre juste ici. Bon, je suis au téléphone comme d'hab avec la folle. The best one! Ça va? Est-ce que je te manque? Salut. Est-ce que je... Pourquoi tu fais genre tu bois de l'eau? Je pose, désolé. Attends. C'est bon, je bois un chouki en vrai. Ok. Putain, je suis fraîche. Putain, non! Non! Pourquoi elle bug? C'est comme ça que ça s'est fait, donc c'était dans le 17e siècle. Voilà, c'est le seul truc Bravo! que je peux te dire. Après, je sais Franchement, que le Caro, je suis fier de valet, toi. Tu connais ton histoire. a été colonisé par les Arabes, donc je me dis peut-être que je suis arabe. Fais un test ADN. Bah non, il n'y a pas le droit de faire ça. J'avais même pas vu. Franchement, journée vraiment pas productive du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Otite horrible. Quand je vous dis horrible, horrible. Mais là, j'ai des antibiotiques, donc d'ici 2 jours, normalement, ça va. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, je vais laisser la voiture et je vais également vous remettre le contact de où je loue mes voitures et où je prends bah, du coup chaque fois mes voitures quand je suis à Paris. C'est le best, clairement, en termes de prix, en termes de voitures, en termes de modèles de caisses et tout, c'est vraiment le best. Du coup, je vais vous le mettre juste ici. Il vous arrange grave niveau prix. Bref, pour moi c'est le best. Il vous dépose la voiture, il vous ramène la voiture, il vous arrange niveau prix, il est super. Il s'adapte à vous, vos horaires et tout. Enfin voilà quoi. Sinon, on est vendredi et j'ai l'impression qu'on est dimanche. Et les rues elles sont vides. Les rues elles sont vides, il n'y a personne. C'est trop bizarre. Je suis du coup venue à l'agence où je loue mes voitures quand je suis à Paris ou quand je suis en France, tout ça en Île-de-France. Et du coup, c'est chez eux. Là, on est à l'agence, je vous montre. Vous pouvez venir directement sur place. C'est comme ça. Hop. Et moi, j'ai pris la voiture là, qui est là. Parce que je ne vous ai jamais montré l'extérieur. C'est quoi, c'est... On dit quoi? On dit une GTD, c'est ça? Ouais. Je connais, tu vois. J'ai pris cette petite voiture, franchement, elle est top. Et comme je vous ai dit avant, il y a toutes sortes de modèles, genre vraiment toutes sortes de modèles. Il arrange de ouf au niveau prix. Et il vous ramène la voiture, il vient récupérer la voiture vraiment. C'est le boss. Quand je dis c'est le boss, c'est le boss. C'est carré. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à le demander aussi. Et je vais vous mettre sur Insta juste après aussi. Je mets son snap ici. Rajoutez-le même si vous n'êtes pas de Paris, c'est toujours utile d'avoir une adresse où louer ses voitures. Et je vous mets son Insta. Je me casse demain, t'es content? Bah, je suis pas content. T'es triste? Triste. Ah, trop? Trop. Je vais te manquer? Grave. Ah, grave. Grave, mal, tu vas trop manquer. Ah, tu vas vraiment manquer. Non, tu as l'air très sérieux, hein, de ouais, ouf, hein. Putain. Là, la fin de voiture, c'est la maison. Non, je les aime trop. Ils vont partir. Non, je vais partir. Et après, on va partir ensemble. Où? En Algérie. En fait, moi, je suis algérienne et je vous avoue que je suis plus côté. Genre, je suis plus proche côté Maroc parce que je suis algérienne et marocaine et eux, c'est des vrais DZ. Du coup, ils m'ont dit pur sang que cet été ils vont me faire découvrir l'Algérie. Ah, mais il est trop méchant avec moi.
Je vais me croire qu'elle va aider les enfants d'Afrique sous ma gueule. Bah oui, pourquoi j'aiderais pas les enfants d'Afrique? Franchement, bravo. Bah oui. Ça a toujours été mon rêve de faire l'humanitaire. Et là, je vais là dans quelques temps et il me dit tu vois pourquoi et tout. Bah, je vais aider les enfants. Mais les cash big. Cash big. Vous savez qu'on passe un vendredi soir comme si on était genre mardi soir. Nous, on fait tout à l'envers, on fait la fête de la semaine et le week-end, on se repose. Merci de l'arbre. T'es toujours célibataire encore. Yac. Célib. Franchement, l'hôtel très sympa. Ça, c'est à l'étage. Avec la petite télé. On a la petite chambre. Très 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 sympathique. Et par contre ma pièce préférée comme d'hab, la salle de bain. Elle est canon. Avec ma sale tête. Bref, du coup. Je vais y arriver. Je vais me mettre à l'aise. Je vais prendre une petite douche. Une bonne petite douche. Une petite savon.